Les deux voies. Heureux l'homme qui ne suit pas le conseil des impies, ni dans la voie des pécheurs ne s'arrête, ni au siège des railleurs ne s'assied, mais se plaît dans la loi d'Allah, et murmure sa loi jour et nuit. Il est comme un arbre planté près des ruisseaux qui donne son fruit en la saison, et jamais son feuillage ne sèche. Tout ce qu'il fait réussit, pour les impies rien de tel, mais ils sont comme la balle qu'emporte le vent. Ainsi les impies ne tiendront pas au jugement, ni les pécheurs à l'assemblée des justes, car Yahvé connaît la voie des justes, mais la voie des impies se perd. Le drame messianique. Pourquoi ces nations en tumulte, ces peuples qui murmurent en vain? Les rois de la terre s'insurgent, les princes tiennent tête à Yahvé et à son Messie. Rompons leurs chaînes, débarrassons-nous de leurs liens. Celui qui siège dans les cieux s'en amuse, Yahvé les tourne en dérision. Puis, dans sa colère, il leur parle, dans sa fureur, il les épouvante. C'est moi qui ai sacré mon roi sur Sion, ma montagne sainte. Je publierai le décret d'Allah. Il m'a dit, tu es mon fils, moi, aujourd'hui, je t'ai engendré. Demande et je te donne les nations pour héritage, pour domaine, les extrémités de la terre. Tu les briseras avec un sceptre de fer, comme un vase de potier, tu les casseras. Et maintenant, roi, comprenez, corrigez-vous, juge de la terre. Servez Yahvé avec crainte. Baisez ses pieds avec tremblement, qu'il s'irrite et vous vous perdez en chemin. En un instant flambe sa colère, heureux qui s'abrite en lui. Bon alors, tout d'abord, j'ai eu Lola Croutin hier au téléphone. On est resté un peu longtemps hier soir au téléphone, un peu tard. Bon, parce qu'elle s'offusquait de cette histoire de cagnotte, etc. On va en reparler vite fait, là. Par contre, elle me filait une information dont j'étais pas du tout au courant. C'est qu'apparemment, je me fais pirater les comptes YouTube ou je sais pas quoi, là. Donc, il y a déjà un Gugus qui a créé une chaîne qui s'appelle Chrysalide Post avec un P minuscule 7. Qui se fait passer pour moi, il s'est fait passer pour moi dans les commentaires, mais apparemment, effectivement, je me fais pirater un petit peu la chaîne. Alors, on avait l'habitude de se faire pirater un peu les likes, les vues, etc. Ça, dès le début, hein, j'ai connu, bon, on est passé outre. Là, c'est juste un tout petit peu plus chiant, parce que tu vois, Maximus, tu m'as envoyé un com pour que, voilà, hein, machin, sans que ça. Donc effectivement, hein, plutôt Sud Radio, RT France que BFM TV. Mais t'inquiète, on va tous les faire, les médias. C'est la clé. Les médias, c'est la clé. Donc on va se les faire, les médias. Donc je t'ai répondu, hein, totalement d'accord. On se fait un live dans la semaine, ok? Dis-moi le jour qui t'arrange, parce que Maximus, voilà, faudra que tu viennes dans le live, qu'on parle avec d'autres gens aussi. On va faire ça, ce sera en dehors du Big Live. Hein. Le Big Live, on va le maintenir, ça. Hein. Parce que là, il faut qu'on se parle en France entre les faux leaders là et puis les gens qui veulent vraiment changer les choses en France. Et donc tu me réponds avec plaisir, rappelle-moi dès que tu peux. Mec, je t'ai envoyé 3 fois en com. Vas-y, envoie-moi juste ton numéro par email parce que bon, c'est un peu le bordel là. J'ai reçu pas mal d'emails le temps que je retrouve tout ça, etc. Donc voilà. Et à chaque fois, il s'est fait effacer. Donc il y a des petits enfoirés qui s'amuse, et bizarrement, il n'y a que avec Maximus, là, hein, sur ce que j'ai remarqué, parce que j'ai répondu à d'autres gens, apparemment les autres, ils n'ont pas l'air de s'être barrés, mais apparemment, il y a des petits trolls, là, qui veulent pas que je parle avec Maximus le Clément. Donc Maximus, on va se parler. Donc, t'as mon adresse mail, renvoie-moi juste ton numéro de téléphone, et puis on se cale au téléphone, ou par mail, si t'as toujours mon mail. Si tu n'as plus mes coordonnées, tu vas voir chez Steph Alubeu, là, ou Abuleux, je sais pas quoi, ou Maxime Nicole, etc., ils te les transmettront, hein, vu qu'ils les ont balancés à tout le monde sur Facebook, ces enculés. Bref, c'est pas grave. Donc, Lola, merci de m'avoir averti de ça, et puis, bah, effectivement, ça se vérifie. Lola, on a discuté de cette histoire de cagnotte, donc on va juste remettre les choses au clair par rapport à ça. Donc, moi, je viens d'ouvrir 2 cagnottes sur PayPal. Pourquoi PayPal? Parce que leur siège est à Luxembourg. C'est à 60-70 bornes de chez moi. Si jamais il y a un stress, leur siège social, on le retourne. D'accord?
Donc comme ça, ils sont tout prêts. Pourquoi? Parce que j'avais demandé dans les commentaires qu'on m'oriente un petit peu sur les histoires de cagnotte, machin, etc. J'entends que Litchi, ça appartient au Crédit Mutuel, qui appartient lui-même à je sais pas qui. Il y a quelqu'un qui a posté un commentaire là-dessus, etc. Donc PayPal, d'accord? Comme ça, c'est tout prêt, le siège social. S'il y a un stress, on va les défoncer. Mais il n'y aura pas de stress. Donc, j'ai bien pesé le pour et le contre. Surtout quand je vois des commentaires, tu vois, Alain Legarne, ah, ça y est, toi aussi, tu vas mendier sur YouTube. Donc, je te réexplique pour toi. J'ai passé 8 mois à passer beaucoup de temps sur Internet, à expliquer des choses, à répondre aux commentaires sur YouTube, etc. À faire des déplacements aussi, à répondre au téléphone, à rester longtemps au téléphone, à répondre à des mails, etc. Et puis, tu vois, à balancer tout ça et à me bagarrer, etc. J'y ai laissé des plumes, d'accord? À un point où là, c'est l'urgence. Donc, j'ai pas d'autre choix, en fait, d'accord? Je pourrais aller mendier à ma famille ou à mes amis, etc. Mais je préfère, s'il y a moyen d'avoir 2 400 personnes qui filent chacun 1 balle, 2 balles, 3 balles, 10 balles, peu importe ce que vous voulez, voilà, ça ira beaucoup plus vite, ce sera moins pesant pour tout le monde. Et puis, moi, ça me permet, j'ai pas besoin d'être entretenu par YouTube. Je suis pas YouTubeur et je veux pas devenir YouTubeur. Je suis un Français, je me bats pour la France, d'accord? Et par tous les moyens, d'accord? Et l'argent, malheureusement, c'est le nerf de la guerre, d'accord? On passe du temps, de l'énergie, etc. Donc, je te réexplique la démarche. Et après, on a beaucoup de choses à se dire là. Beaucoup de choses à commenter. Donc, la démarche, moi, j'ai ouvert 2 cagnottes, comme j'avais promis. Première cagnotte, je vous transmettrai le lien en dessous de la vidéo. Ça s'appelle cagnotte au chapeau Jeff slash Crisa. D'accord? Je vous donnerai le lien dans la description, sous la vidéo. Donc ça, c'est juste pour ceux qui veulent remercier, filer un petit coup de main là pour les 2 3 mois qui arrivent là, parce que faut juste que moi je puisse me retourner et retrouver mon autonomie pour de nouveau passer du temps. Donc ça, on va dire, c'est ouais, là, effectivement, je mendie, ouais, je reconnais. Bah écoute, voilà, je fous une claque à mon ego aussi. Donc si on peut faire quelque chose, voilà, ça m'aidera et moi, ça va me permettre aussi de continuer un petit peu et puis de pouvoir rebondir surtout. Parce que le but, c'est pas de demander de l'argent aux gens. Alors, j'interdis à ceux qui galèrent financièrement de filer 1 seul euro, d'accord? Vous gardez votre argent, d'accord? Pour vous, pour vos enfants, qui vous voulez. Il y a d'autres gens pour qui ça va bien, filer 5 euros, 10 euros, peu importe, ça passera, d'accord? Ceux qui galèrent, vous gardez vos sous. Interdiction de donner à vous, d'accord? Même pas 1 euro. Pour. Voilà. Donc, ça, c'est première cagnotte sur PayPal, cagnotte au chapeau. J'ai fait un spectacle là pendant 8 mois qui a porté ses fruits, etc. Si les gens veulent bien me rétribuer pour ça, filer un coup de main, ce sera vraiment bienvenu là. D'accord? Donc, ça, c'est la première cagnotte. La deuxième cagnotte, elle est ouverte aussi sur PayPal et elle s'appelle Cagnotte Projet Français de Libération. Donc, sur la première cagnotte, il n'y a rien de public, c'est-à-dire que les gens donnent, d'accord? S'ils veulent afficher leur nom, ce sera affiché. S'ils veulent rester anonymes, ils resteront anonymes. C'est eux qui choisissent au moment où ils font le don. Okay? Sur la deuxième cagnotte, là par contre, le montant est public, parce que ça, c'est pas pour moi personnellement, c'est pour tout le monde. Comme je l'ai expliqué, c'est mettre en place une cagnotte pour, ben, si on veut continuer maintenant et qu'on veut aller jusqu'au bout, et nous on veut aller jusqu'au bout, tu vois, Maximus, etc., etc., Goïnès et tout, on veut aller au bout des choses en France, hein, maintenant. Mais malheureusement, ça demande des moyens. Moi, j'ai mis la main à la poche pendant 8 mois, 8 mois, etc. Putain, au bout d'un moment, ça se vide vite, hein. D'accord? Donc, ça, ce sera pour financer quoi? La deuxième cagnotte, celle qui s'appelle Cagnotte Projet Français de Libération. Pour financer des déplacements en train. Vous voudrez que je vienne en réunion, etc.? Pas de problème. Je prendrai dans la cagnotte là, billet de train, tac, direct, et on se pointe. D'accord? Avec 2 3 copains, ou on aura 2 3 copains sur place, et puis on ira à des réunions, gilets jaunes à droite à gauche, etc. Ce sera pour financer quoi d'autre? Filer des coups de main à des gens sur des ronds-points qui sont en galère, etc. Tout sera public, hein. Je vous dirai, voilà, il y a quelqu'un qui a besoin de 300, 400, 500, 1000 balles, je ne sais pas, on va voir combien on récolte, j'en sais rien. On improvise là. Et puis, on verra bien, voilà, je demanderai toujours, on fera un live, je dirai, voilà, est-ce qu'on peut prendre dans la cagnotte pour telle, telle personne, etc. Voilà, donc en local, surtout pour financer des déplacements, pour aussi filer un coup de main à d'autres porte-paroles qui vont bien vouloir maintenant émerger du peuple français, des vrais porte-paroles, hein, pas des zigotos comme ceux qu'on a depuis 8 mois, là, des manipulateurs, des acteurs d'influence, qui se foutent de la gueule du monde. On va en reparler plus tard. Mais ça va être pour financer ça, d'accord? Pour que là, maintenant, vraiment, on fasse le boulot en France. Donc, première cagnotte,
Si vous voulez bien filer juste un coup de main pour moi, me permettre de rebondir 2-3 mois, et puis si vous, tu vois, comme quand tu vas voir un spectacle, etc. Deuxième cagnotte, c'est projet commun français. Là, c'est public, transparent, collectif, etc. Et on rendra des comptes. On rendra des comptes. Donc, pour l'instant, la cagnotte PayPal, parce que je n'ai pas pu ouvrir de compte encore dans une banque ou quoi que ce soit, c'est aussi affiché sur mon compte perso. Hein. Mais vous inquiétez pas, il n'y aura pas d'embrouille. Vous avez en face de vous, je pense, le mec le plus honnête, intègre, transparent que vous aurez pour gérer ces histoires de fric. D'accord? Par contre, bah, excuse-nous, l'ami, mais là, on n'a plus le choix. Si on veut continuer, et il faut qu'on continue, parce que sinon, en face, ils vont continuer à nous mettre des pelletés et des pelletés et des pelletés, et puis on ne va pas pouvoir faire le taf, on est obligé de s'emparer du nerf de la guerre, là. Et il vaut mieux que le nerf de la guerre, il soit pris en main par des gens honnêtes, intègres, croyants, transparents, qui vous feront pas de coups dans le dos, qui vous manipuleront pas, qui vous feront pas de la drouette pendant des semaines et des semaines à vous dire oui, mais comme il y a des anti-imposteurs qui m'accusent d'eux, alors du coup il y a des avocats qui on vous expliquera plus tard. Non, 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 non. Tu vas voir. On leur a donné une leçon sur les vérités à tous là sur YouTube. On leur a donné une leçon de non-tiédeur, de non-hypocrisie. On va continuer à le faire. Et on va leur donner aussi une leçon sur comment gérer les deniers. D'accord? On va se la jouer en mode Robin des Bois. On va se la jouer en mode exemplaire. Exemplaire. Et là, on verra. Là, vous verrez. Vous vous retournerez sur Drouet, Rodriguez, etc. Puis là, vous direz, ouais, putain, effectivement, regardez chez Chrysalide, là, comment ça se passe. Rien à voir. Et puis peut-être que ça ouvrira aussi les yeux à certains pour comprendre justement l'entourloupe qu'on nous a joué pendant 6-8 mois là. Ok? Donc, Lola, j'ai bien entendu, on a bien discuté, je pense que tu as compris mon point de vue. Je pense que tu avais surtout peur que ça me retombe dessus avec ce genre de commentaires. Ah là là, gna gna gna, machin, etc. Ouais, cause toujours, t'inquiète pas. Depuis le début, j'en prends plein la gueule, moi. Il n'y a pas de problème. J'ai le cuir épais, il n'y a pas de problème. D'accord? Donc, comme ça, c'est fait, qu'on puisse continuer au maximum et puis que ça se passe bien, d'accord? Alors, je sais, on est tous dans des conditions merdiques, etc. Ok, maintenant, pourquoi on se la joue comme ça? Nous, on veut bien s'investir. Personnellement, moi, je veux bien m'investir même encore plus s'il faut. Déplacement, aller faire des sittings, faire chier les médias, etc. Payer le billet de train à Maximus s'il vient avec moi devant RT France ou je sais pas quel média on ira voir ou avec un autre constituant quelconque. Voilà. Donc, faut juste qu'on arrête de foutre nous la main à la poche parce qu'on est en train de se ruiner. L'État nous ruine, le système nous ruine. Et puis si nous, en plus, pour pouvoir se battre, on est obligé de se ruiner, je pense que Goïnès, il est un petit peu dans la même situation. Voilà, d'accord? Et ce sera entraide. Lola, j'ai bien entendu aussi ce que tu m'as dit sur ton ultra-méfiance. T'inquiète pas, d'accord? Fais-moi confiance, je te la ferai pas à l'envers, à personne. À personne. Donc, ceci étant dit. Parce que ça me fait chier en fait, hein, cette histoire de cagnotte, mais là, perso, pas le choix. Et si on veut continuer, bah, pas le choix. Si je m'appelais Isadora Duncan et puis que j'avais 1 million en compte en banque, etc., oh là là, t'inquiète. Quitte à tout dépenser là-dedans, j'irai à droite, à gauche ou quoi que ce soit. D'accord? Si vous voulez diffuser, parce que moi, j'irai pas faire ça sur Facebook, machin, etc., diffuser le lien pour que les gens puissent filer bah, un petit peu de sous là-dedans, dans une ou l'autre, hein, peu importe. Si maintenant, sur la première cagnotte, celle au chapeau, vraiment, il y avait plus que nécessaire pour moi, t'inquiète, je la transfère sur la deuxième directe. D'accord? Et tu le verras dans la liste. Tu verras un transfert de. Voilà. OK? Donc, t'inquiète pas. Tout sera clair, net, précis, transparent, intègre, honnête et exemplaire. Parce que, en fait, là, ce qu'on est en train de faire avec cette histoire de cagnotte, on va s'en servir comme d'une arme. Vraiment. Vraiment. Donc, voilà. Donc, j'espère que c'est clair pour tout le monde. S'il y a des mauvaises langues, etc., blablabla. D'accord? Tu seras supprimé dans les commentaires. Et on fera les comptes dans 2-3 mois, hein, à la rentrée. Parce que nous, on veut faire le taf en France, hein. On ne veut pas balader les gens pendant 8 mois à les envoyer au casse-pipe, etc. D'accord? À se faire blesser et tout le bordel. Alors que la clé, pourquoi on a bloqué les péages, pourquoi on a bloqué les ronds-points, etc., c'était pour que l'État nous écoute. Pour que l'État nous écoute, il faut que ça passe par les médias. On a eu des porte-paroles dans les médias, il y a eu des vrais gilets jaunes authentiques qui sont exprimés. Hein, ceux qui ont voulu jeter une chaise à la tête de la ministre du Travail là, quand elle connaissait pas le montant du SMIC. D'autres qui ont parlé directement de la dette de franc-maçonnerie dès le départ. Donc ça prouve bien que c'est des sujets qui sont importants à traiter dans tout ce qui se passe en France. Mais après, bah, tu as vu qui a accaparé le porte-parole, et puis pour en faire quoi, etc. Et tout le monde en mode idolâtrie, idolâtrie, et il manipule la tête de tout le monde. Ok?
Et ça ne créera pas de division. On va vous répéter les choses clairement, d'accord? On s'est énervé avec eux parce que, putain, au bout de 8 mois de se faire prendre pour des cons, ça commence à bien faire. Mais on va faire les choses maintenant très calmement, très sereinement. Par contre, on va continuer à gueuler, hein, sur ceux sur qui il y a besoin de gueuler. Okay? Donc, en tout cas, gros, gros merci. Tous ceux qui viennent sur ma chaîne, là, tous les abonnés, tous ceux qui envoient, tu vois, des messages comme ça, là, une bouffée d'oxygène avec toi, merci. Mais la bouffée d'oxygène, c'est de voir que enfin les gens comprennent tout ça, là. Parce que pendant 6, 8 mois, hein, ça a été une bagarre, hein, une bagarre. Hein. Et tu vois, c'était pour le bien commun, le bien collectif, pour que les gens comprennent bien dans quoi on avait les pieds. Parce que, ben ouais, ça, c'était les thèses complotistes, machin, etc. Tu vois, il fallait débroussailler tout ça et tout. Mais pour nous, c'était clair dès le départ. Hein. Tu m'aurais foutu à la place de Nicole dans les médias. Oh putain, mais comment je te les aurais éclatés, les journalopes. Et là, je suis encore plus motivé. Alors, je te prie de croire qu'on va y aller et ça va chier. Bon, la suite. Living together and praying, amen. Let's give thanks and praises. Baruch Ata Adonai. Baruch Abba Yerushalayim.